Bonjour à tous. Dans son nouveau livre sobrement baptisé Le Dictionnaire de ma vie, l'actrice française Charlotte fait de rares confidences pour le moins étonnantes. La femme de 67 ans est longuement revenue sur sa relation avec l'humoriste star Coluche, 30 ans après la disparition tragique de l'artiste. On en apprend encore beaucoup de choses. On vous dit tout. C'est cette réponse qui va séduire Coluche. En effet, l'humoriste a accepté d'aller voir la petite troupe au théâtre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été séduit. Ainsi, elle a décidé d'aider Charlotte et ses amis. Surtout, Coluche a fini par nouer des relations particulières avec la comédienne. Coluche venait régulièrement nous voir au café de la gare, mais nous y sommes tous les deux mariés et elle était de surcroît père de deux jeunes enfants. Par respect pour leurs familles respectives, Coluche et Charlotte ont décidé de ne pas donner suite à cette relation. Elle n'était pas prête à bouleverser tout comme ça. Même si notre attirance était réciproque, nous n'y sommes pas prêts à bouleverser nos vies. Ce n'est pas la première fois que la comédienne me parle de son attirance pour l'humoriste. En effet, en 2017, elle avait déjà évoqué cette relation à la télévision. Comment se sont-ils rencontrés? Au début de sa carrière, Charlotte faisait partie d'une petite troupe avec ses collègues. Elle avait notamment créé son premier spectacle, Le Bonbon Magique. Et pour faire de la publicité et remplir le théâtre, on a tout de suite pensé à Coluche, qui avait débuté comme nous dans un café-théâtre, et j'espérais qu'il allait nous donner un coup de pouce. C'était déjà une grande vedette à l'époque. Ainsi, Charlotte prend son courage à deux mains. Elle va alors pousser la porte de repas pour rencontrer Coluche. Et là, devant elle, l'humoriste commence à se moquer de son homme de famille. « Alors, tu veux qu'on fasse de la pub pour ton spectacle ?» Mais depuis quand les artistes ont-ils besoin des paroles? Loin de se démonter, elle a répondu du tac au tac. Depuis que les Aristos galèrent et que les Prolos font des émissions qui cartonnent. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.